Coucou les filles, donc voici une vidéo récapitulative de tous les soldes, de toutes les soldes chez Lush, hein, comme vous le savez, il y avait des super soldes, c'était 50% sur les produits de Noël et les produits qui périmaient dans l'année. Donc j'ai acheté plein de balistiques et un pain moussant, donc j'ai acheté Artifice, ok. Et elle sent très très bon, donc c'est comme tous les produits Lush, je ne vais pas les redire à chaque fois. Donc j'en ai acheté deux et c'était 50. J'ai acheté Ciel Bleu et Petit Nuage, donc là c'est un pain moussant, c'est le même que le Quasi Mousse, donc qui est mon préféré de chez Lush. Mais il est couleur bleu blanc. Ok, donc le principe des pains moussants, ça n'a rien à voir avec le principe des balistiques. Les balistiques, il faut la jeter dedans et c'est comme l'effet d'une aspirine, tandis que le pain moussant, c'est vraiment pour faire de la mousse dans votre bain. Et donc j'en ai acheté deux. Et je vais vous montrer comment il est. Il y a une gousse de vanille en fait dedans. Donc ça c'est un truc que j'ai voulu essayer il y a très longtemps, mais bon, je ne l'ai jamais acheté. Donc voilà, ça c'est Vanille Fizz. De miel. Je vous montre hein, parce que... Il n'y a pas tout le monde qui connaît les noms. Et donc il est vraiment très gros. Hein, voilà, lune de miel, il est comme ça. Le snow cake en savon, donc pour tester sur mes savons, sur mes pinceaux, pardon. Donc moi j'avais déjà acheté le, donc ici j'ai le snow cake, donc je l'ai pris en 200 grammes je pense. Et le miel et les abeilles en fait je l'ai acheté, mais je l'ai jamais encore testé sur mes pinceaux. On va voir ce que ça va donner. Donc comme c'était 50%, je me suis dit je vais pas faire ma radine. Ce que j'ai acheté, je vous avais dit que j'avais acheté de ce format-ci, 250 grammes, le shampoing retour dans le droit chemin. Malheureusement je l'ai testé, c'est trop sec, ça me rend les cheveux trop secs. Et même mon copain qui a les cheveux, le cheveu normal, l'a essayé et il trouvait que ça a séché le cheveu. Donc il s'imaginait même pas, il disait j'imagine même pas la texture de tes cheveux après l'utilisation de ce shampoing. Donc je l'ai mis de côté, je ne l'utilise plus. Heureusement que je n'ai pas acheté les shampoings en galet, parce que je voulais les acheter, je me suis dit bon je vais quand même tester d'abord la bouteille et on verra. Et comme les galets sont plus concentrés, donc ça aurait été pire quoi. Voilà, donc je suis contente que je n'ai acheté qu'un shampoing chez eux. J'ai acheté leur pré-shampoing universel véganaise et Vive la Révolution. Donc voilà, là c'est des après-shampoings. Et donc c'était des petites pastilles comme ça qui vous disaient si c'était 50% ou pas. Le shampoing de chez Body Shop à la banane. Donc j'ai acheté deux produits chez eux. Ici c'était 4 € le shampoing. J'ai entendu beaucoup de bien, donc on va tester. 250 ml. Power Gel 750 ml de chez Body Shop à la fraise. Il y avait tous les goûts. Donc c'est pH neutre, donc c'est Dovski. J'ai acheté donc 3 paires de boucles d'oreilles, donc j'ai acheté celle-ci. C'était une septantaine d'euros au lieu de 120 €, donc c'est des longues. Et donc j'avais flashé sur les bleus, donc blanc et bleu, et bah, elles n'étaient pas soldées avec celle-ci soldée. Donc je me suis dit, bah, comme j'ai pas des boucles d'oreilles rouges, et comme c'est bientôt la Saint-Valentin. Et c'est deux persil, donc celle-ci que j'ai eu pour je pense 30 €, et ici une 40 €. Et donc celle-là je les avais achetées au Swarovski des Champs-Élysées. Donc voilà, j'étais très contente de les avoir trouvées là-bas, parce que je les cherchais à Bruxelles et malheureusement il n'y en avait plus, elles n'allaient plus rentrer. Donc je suis super contente que je les ai trouvées là-bas. Ensuite j'ai acheté la colle pour les fossiles de chez Ardell. Donc je l'ai trouvée à Matongé, dans le deuxième grand magasin sur le trottoir de gauche, pour 3-4 €. Chez Cécile, donc c'est un magasin de chaussures ici en Belgique, je ne sais pas s'il existe ailleurs, j'ai acheté cette paire de chaussures. Donc je vais retirer, ah, voilà, donc j'ai acheté cette paire-ci. Et donc elles étaient à 140, je les ai eues pour 70 je pense. C'est de la moumoute et du daim en dessous. Et elles sont super confortables. Là, je reviens du centre-ville, je les ai portées. J'ai pris le métro, et j'ai fait toute la rue sans problème. J'ai pas de douleur au niveau des pieds. Donc ensuite, j'ai acheté celle-ci ce week-end à une soirée, enfin une soirée, un anniversaire. Et donc, je suis super contente parce qu'elles sont super confortables. Donc moi, maintenant, j'adopte Cécile, je pense, du daim et du bois. Donc elles étaient à 50 € au lieu de 100 et des. Donc chez Cécile, vous ne trouvez pas des chaussures à moins de 100 €. Hein. Limite 70, et c'est des petites ballerines, ou 50 pour des petites ballerines, mais pas en dessous de ce prix-là.
J'ai acheté donc chez Metro Shop, donc je vais vous montrer un peu le ticket, comme ça vous voyez ce que c'est. C'est le magasin que vous avez juste à la sortie de votre du métro, donc à De Broeckere. Et donc j'ai acheté cet agenda-ci qui est un agenda en cuir. Il était à 97€ et je l'ai eu. Donc on a vidé ce qu'il y avait dedans parce que vous pouviez l'acheter avec ou sans le truc à l'intérieur. Et le truc à l'intérieur c'était, enfin, c'était de 2007 je crois ou 2008. Donc ça me servait à rien de l'avoir. Je compte aller chez Club pour acheter l'agenda que je vais mettre dedans, ainsi que pour les numéros de téléphone et tout. Et donc c'est pratique pour mettre les cartes, pour mettre ici un bloc-notes. Donc vous mettez l'arrière du bloc-notes ici, les bloc-notes longs. Et donc voilà, donc là ça c'est un truc en cuir. Je suis super contente parce que je l'ai eu à 60€ moins 50%, donc je l'ai eu à 31€. Voilà, donc c'est un cuir très simple. Chez Foot Locker, j'ai acheté 3 paires de baskets. Donc j'ai acheté celle-ci que je n'ai pas encore portée. Ce sont des en jeans. Et donc j'avais pas de paire de baskets et je suis super contente parce que j'ai fait une super affaire. Je pense que j'ai payé 70€ au total pour ces 3 paires de baskets. Alors qu'en général, c'est 90€ la paire de baskets chez Foot Locker. Donc voilà, c'est des Vespa, Adidas Vespa. Voilà, comment elles sont. Elles sont super belles, je les aime bien. Ils commencent à faire sombre, hein, comme vous pouvez le voir. Ensuite, j'ai acheté celle-ci pour l'été, donc en blanc, je les ai eu à 15€, les Vespa à 25, je pense. Et celles-ci qui sont super confortables, qui sont en doudoune à l'intérieur, et donc elles sont brunes cuir. Donc c'est un style de Brita, quoi, les carafes Brita, et donc c'est pour filtrer votre eau. Donc vous êtes dehors, vous avez soif, vous ne voulez pas gaspiller vos sous-sous, vous allez aux toilettes, vous remplissez votre bouteille, et en fait le filtre ici filtre l'eau, et donc vous buvez de l'eau potable. Donc voilà, le système c'est clips, le bouchon, hop, et donc je l'ai payé. Donc elle était à 14€, je pense, à l'innovation, au moins 1. Et j'ai eu 40% et j'ai acheté 2 filtres pour, de rechange, quoi, pour plus tard. Un Continental Wallet. Donc c'est celui-ci et j'étais trop contente. C'est ce que je recherchais. Je voulais le commander aux États-Unis parce que je voulais plus attendre, en fait. Et donc c'est le Michael Kors avec écrit Michael Kors East 1981. Donc il est super, c'est du cuir, hein. Chez Michael Kors vous avez du cuir. Donc ici je l'ai eu pour 100€, donc c'est bien parce qu'en Amérique je l'ai eu à 89€ et en Amérique il a 100 et des dollars, donc je me suis dit bah voilà, ça équivaut au prix de là-bas. Et donc c'est un prix outlet, donc c'est un prix moins cher que ce que vous pouvez trouver au magasin même de Michael Kors, hein. Je précise, donc l'intérieur est comme ça. Oups, tous mes tickets, tous mes bazars. Donc l'intérieur est en doré. Ok, il est doré. Il y a des MK, Michael Kors partout. Il y a plein de compartiments. Donc moi j'adore quand même, il y a plein de compartiments. Je peux tout mettre, même si j'ai mon petit rangement de cartes spécial que je vous avais montré dans ma vidéo What's in my bag. J'ai demandé donc l'année passée chez Michael Kors, chez Yankee Candle, les bougies. Et c'est les grands formats, donc c'est les 623 grammes. Elles sont très lourdes, très grandes. C'est les plus grandes de chez Yankee Candle. Donc ici je brûle la Island Mango et elle sent trop bon, elles sentent toutes bon. J'en ai eu plein, j'ai eu les petites, les grandes, et donc elles sont géniales. Et donc j'ai commandé cette année-ci, donc là c'est ma dernière de l'année passée, donc j'en avais 6, commandé 6, et là maintenant j'ai recommandé, donc tout juste une année, pour environ une année pour 6 bougies. Donc voilà. Et je les brûle tout le temps, des fois même jusqu'à 4h, 5h du matin, on dort, on s'endort avec. Donc c'est vrai que c'est dangereux, mais bon, pour vous dire que on l'a fait brûler tout le temps, à partir facilement, à partir de 4h, 5h de l'après-midi. Donc une fois qu'on rentre à la maison. Donc j'ai commandé et donc ça m'est revenu pas très cher parce que quand on commande là, c'est commande aux États-Unis, 6 bougies pour 60$, ce qui fait environ 50€, on va dire. Pour 6 bougies du plus grand format, donc c'est nickel. Donc si vous avez la possibilité d'aller aux États-Unis, commandez avant. Là maintenant je pense qu'il y a encore des soldes, ou si vous avez quelqu'un qui habite aux États-Unis, vous les envoyez. Et si vous voulez, vous pouvez demander à la personne qui vous renvoie les bougies et casser, en fait vous pouvez casser. Donc moi, mon meilleur ami, il y en a une qui s'était un peu fissurée et il a cassé et la bougie était nickel, donc je l'ai mis dans un bol et elle brûlait parfaitement. Donc aucun problème, parce que c'est vrai que le verre pèse très très lourd, c'est ce qui pèse le plus lourd. Je déteste les bijoux Guess, je déteste les sacs Guess, mais les chaussures j'adore. Donc j'ai acheté celle-ci, c'était un style que je recherchais depuis très très longtemps.
Donc voilà, un peu boots comme ça, mais à talons. Et elles sont géniales, très confortables. Maintenant, c'est vrai que le pied est fort plié. Donc j'espère que ça va pas me faire très mal. Donc j'avais revendu en brocante tous mes pyjamas parce que Hello Kitty et tout ça, je l'aimais plus. Hein. Faut devenir une femme. Hein. Et donc j'ai acheté ceci parce que j'ai flashé dessus. C'était un qui ressemble un peu à un pyjama que j'ai vu sur Kim Kardashian. Et donc c'était pas les mêmes couleurs, mais c'était le même style. Et donc c'est un pyjama comme ça en peau de pêche. Il est génial. Il est tout doux. Et donc vous l'avez avec le pantalon. Et le pantalon, c'est pas un style de pas def à la fin. Tout en dessous, c'est vraiment des élastiques. Donc c'est vraiment très agréable. Donc je l'ai eu pour 30€, je pense, au lieu de 60, c'est moins 50% chez Etam. Et donc j'ai acheté ce pyjama-ci, donc un peu, là c'est un short, très confortable, très coton, avec son pull. Et là c'est plus un pyjama pour l'été, donc voilà, très large, le t-shirt très large, qui part... Enfin c'est un pyjama stylé, je trouve. Donc ce sont deux pyjamas stylés, et je me suis dit, les prochains que j'achèterai, bah, ce seront des... J'ai lavé le short avec le truc, c'est pas possible. Il n'y a que moi pour faire ça. Avec Michael Kors. J'ai acheté cette pochette. Voilà, cette pochette-ci. Donc j'aime bien le style un peu effet plissé comme ça. Et donc vous avez la possibilité de l'utiliser en petit sac pour sortir. Ou en pochette, hein, tout simplement. Et ce qui est bien, c'est que dedans, vous avez des compartiments pour mettre vos cartes. Des compartiments pour mettre les sous-sous. Voilà, vous avez des compartiments à l'intérieur et donc c'est très chouette. Ensuite, j'ai acheté celui-ci. Et donc, c'est pas dans mon habitude d'acheter des choses avec écrit partout la marque, comme les Louis Vuitton par exemple, LV, LV, LV partout, Louis Vuitton partout, Dior, Dior partout. Non, non, c'est vraiment pas mon style. Mais là, j'ai trop flashé, c'est sur ce portefeuille Michael Kors. Il est doré, vous l'avez en rose gold et vous l'avez également en argent, oups, en argenté. Et c'est parce qu'il réfléchit la lumière et je trouve ça trop stylé. Même l'utiliser comme pochette quand vous sortez comme ça, il est magnifique. Donc j'ai jamais pensé vouloir acheter, parce que je sais qu'il y avait les sacs et tout, je voyais sur internet, hein, je suis inscrite à la newsletter de chez Michael Kors. Et donc je voyais ce style, je disais mais jamais je porterais ça. Et en fait, bah voilà. Qui l'eût cru. Donc il est très beau, il y a des MK partout. Et également pour 89€ celui-ci. Donc ensuite, et en dernier lieu, donc comme je vous ai dit, hein, prochaine fois que je pars à Paris, je vais faire mon petit cadeau que j'attends depuis tellement longtemps. C'est mon sac Louis Vuitton. Donc j'étais chez Louis Vuitton, je me suis même perdue dedans tellement qu'il est grand. Un très très beau magasin, en tout cas, comparé à celui de Bruxelles. Rien à dire, il est vraiment très bien fait. Et donc ici j'ai acheté mon Speedy 35. Donc voilà, vous avez les petites cadenas. Je pense que vous le connaissez toutes, hein, le petit cadenas avec les petites clés. Vous avez la possibilité, pour celles qui ne le savent pas, vous pouvez graver en fait, enfin graver, imprimer ici. Ça sera en couleur dorée. Moi je pensais que c'était sur le cadenas, mais en fait c'est pas sur le cadenas, c'est ici. Vous pouvez faire graver donc 3 initiales. Donc voilà, c'est gratuit à l'achat du sac. Je ne l'ai pas fait, comme j'ai ma facture, je peux aller à Bruxelles et le faire envoyer. Mais bon, je voulais profiter directement de mon sac et pas attendre encore une fois, parce que ça fait tellement longtemps que je le veux. Donc voilà, je pense que c'est tout. Je dois vous montrer les choses que j'ai achetées chez Tommy Hilfiger. Donc chez Tommy Hilfiger, moi c'est vraiment mon ami qui m'a conseillé d'y entrer. Parce que moi j'en avais acheté une fois un article Tommy Hilfiger. C'était un pantalon et je l'avais acheté aux États-Unis. Et c'est vrai que la qualité, enfin, il était, au moment où je l'ai donné à quelqu'un, je sais plus ce que j'en ai fait en fait. Il était toujours pareil, comme au début, comme à la première fois où je l'ai porté. Et donc ici j'ai acheté des trucs très simples, mais dont je suis très contente d'avoir acheté. Donc j'ai acheté ces espèces de pulls, c'était 49€ je pense, 47€ au lieu de 100€. Donc il y avait 30% sur le prix outlet, donc c'était 66€ moins 30% je pense. Ouais, je pense. Et donc ici c'est les pulls Ivy. Et donc la texture, enfin le tissu est nickel. On sent que c'est un pull que vous pouvez laver, laver, laver. Il gardera sa forme. Donc je l'ai pris en gris, hein. C'est longue manche. Et donc vous avez le petit signe Tommy. Donc je l'ai pris en gris et en brun pour aller avec mon Louis Vuitton. Il est où mon brun? Il est où mon brun? Il est là. Donc voilà, je l'ai pris en brun. On voit pas très bien la couleur.
Maintenant, je pense que je vais allumer parce que sinon, catastrophe. J'ai pris deux chemises très simples, hein, mais ce qu'il y a, c'est qu'elles sont très confortables parce qu'elles sont stretch. Donc j'ai pris en blanc avec toujours le petit signe Tommy Hilfiger dessus. Elles sont stretch et alors vers le bas, il y a juste ça, mais rien d'autre. Sur les côtés, c'est juste un petit ligné rose et blanc. Donc voilà. Pareil sur la noire, hein. Voilà, mais tout en dessous, c'est pas rose et blanc, c'est bleu clair et blanc. Bleu clair et blanc, ouais, c'est ça. Est-ce que c'est du noir ou c'est du bleu marine, mon dieu. Ouais, non, c'est du noir. Ensuite, j'ai acheté, et c'est des pulls que j'adore toujours mettre en dessous de mes pulls ou même avec un gilet. Donc c'est un pull comme ça, simple, avec toujours le petit signe et stretch. Et longue manche. Donc voilà. Et en noir. Donc j'ai tout pris en noir et blanc. Et puis les deux pulls. Voilà. Donc c'est tout pour mes soldes. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira, les filles. Mettez en commentaire ce que vous en pensez. Quels les soldes que vous avez fait. Et mettre en réponse à ma vidéo vos vidéos de vos soldes. Donc voilà. Je vous fais de gros gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.